Place au 7ème rendez-vous de l'année des Coupes de France Promo Sport. Le pôle mécanique d'Alès en est le théâtre et c'est sous une chaleur écrasante que les pilotes des différentes catégories reprennent le chemin des circuits dans une ambiance de vacances. Si le Promo Sport et notamment les Coupes Promo 1000 et 600 sont souvent l'antichambre du Superbike, il existe une catégorie ouverte à tous. La Promo Découverte permet de mettre un pied dans la compétition sans pression en y trouvant des adversaires à sa mesure. Équipés de motos de 600 à 1000 cm3, ces pilotes néophytes peuvent participer à une ou plusieurs courses dans l'année. Initiée l'an passé, cette catégorie fait un carton et compte environ 80 pilotes engagés sur chaque manche. Noémie Garcia-Joro a découvert la compétition l'an passé et ça lui a tellement plu qu'elle roule cette année en 600 promo. Au départ, j'avais acheté une moto, le R6 en l'occurrence, juste pour faire de la piste. Et on s'était dit avec mon frère, pourquoi pas faire des courses ? Et on a reçu de la FFM, promo découverte, possible de faire de la découverte sur circuit, tout en ayant juste une moto, peu importe laquelle. Et pour commencer, c'est vrai que le promo découverte est pas mal, mis à part le fait qu'il n'y ait pas de catégorie. Sinon, c'est quand même assez facile d'accéder à la compétition grâce à quelque chose qui est ouvert à tous, quoi, on va dire. Mais ceux qui sont derrière, voilà, ils se font plaisir avec un esprit de compétition, ce qu'il n'y a pas sur les roulages, parce que le roulage c'est bien, mais au bout d'un moment, on ne sait pas ce qu'on en fait. Quoi. Alors c'est bien sympa, mais c'est vrai que là, l'esprit de compétition y est. Et l'année dernière, c'est vrai que c'est vraiment ça que j'ai trouvé. Je trouvais que l'esprit de compétition était bien, mais pas trop violent. Alors l'année dernière, je roulais pas trop mal en R6, parce que c'était une moto facile, qui est légère et tout. Et j'en ai quelques-uns en 600 promo qui m'ont dit « mais il n'y a pas de problème, t'as le niveau pour passer en 600 ». Ok, bon, ben, j'ai dit, je me chauffe, il n'y a pas de problème, j'achète un CBR. Alors le CBR, parce que c'est une moto facile, et que c'est vrai que les filles en général commencent par des motos un peu plus faciles, parce que c'est quand même assez physique. Et au final, bon, ben, ça marche peut-être un petit peu moins bien que les autres, mais c'est vrai que c'est un peu plus facile. Mais je vois que le niveau est quand même super, super élevé en promo, et j'ai du mal à certains endroits. Allez, nous voici au départ de la première finale promo découverte du groupe A. Et un excellent départ d'Alexandrila qui, dès la sortie de grille, s'offre une légère avance sur ses concurrents. Et rapidement, réaction de Vincent Ramade. Le pilote Kawa récupère le leadership, suivi par Alexandrila, Fabien Gabrielian et Julien Hilaire. La bagarre se poursuit, mais la chute de Ramade et Gabrielian laisse Hilaire et Hila se battre pour la victoire. Hilaire tient jusqu'au bout et s'offre une belle victoire devant Alexandrila et Kevin Combe. Ouais, j'ai attendu les collègues devant, ils me faisaient des petites erreurs. Il y a le collègue à côté qui me fermait toutes les portes, donc j'ai attendu l'opportunité pour passer devant. Et, bon, malheureusement pour les autres, heureusement pour moi, il y a eu deux chutes devant. Et j'ai pu passer, il a esquivé le pilote et donc je suis passé dans la petite porte qui s'est mise. Donc voilà, donc après j'ai géré la fin de course. Départ de la deuxième finale, et une nouvelle fois, notre spécialiste des sorties de grille, Alexandrila, part en tête. Il tient le coup en début de course devant Maxime Julien, Fabien Gabrielian, Julien Hilaire et Nicolas Mallet. Fabien Gabrielian prend rapidement la direction des opérations, laissant Hila et Hilaire en découdre pour la deuxième place. Julien Hilaire lance son effort et commence à mettre la pression sur le pilote Kawasaki. Une bagarre impressionnante se lance alors entre les deux pilotes qui ne veulent rien lâcher. Hilaire finit par prendre le meilleur sur Fabien, mais une double chute impliquant Nicolas Mallet et Kevin Combe va stopper l'effort des deux leaders. Le drapeau rouge est agité pour cause d'huile sur la piste. Nouveau départ réussi par Maxime Julien qui s'empare du commandement devant Gabrielian qui assez rapidement va récupérer la première place.
Passé deuxième et pressé d'en découdre, Julien Hilaire perd l'avant dans l'épingle. Il repartira en queue de peloton. De son côté, Fabien Gabrielian gère sa fin de course en tête et va s'imposer avec une belle avance sur ses poursuivants. En sorte de finir premier, puis voilà. Et donc je me remercie à Access Racing parce que sinon je tournais pas cet après-midi. Et puis merci à tout le monde et à Yves en particulier parce qu'il m'a prêté sa moto. En 125 se côtoient Promo Sport et Pré-GP. A noter la présence du jeune pilote de développement Conti, Marc Miralles, qui ne joue pas le titre. Parti en deuxième position sur la grille de départ, Laurent Chabal réalise le meilleur départ de la première finale 125. Très rapide, Marc Miralles s'échappe, laissant Chabal aux prises avec Pierre Langlois, alors que Martin Renaudin et Corentin Brénon remontent sur le groupe de tête. Laurent Chabal se laisse déborder mais parvient à arracher une belle troisième place derrière Corentin Brénon. Marc Miralles s'impose assez facilement. En Promo Sport 125, victoire de Chevalreau devant Perron et Meunier. C'est bon pour moi en championnat. Le but c'était de finir devant Martin. Et Marc était plus rapide sur le départ. Je me suis fait gêner au début. J'ai réussi à remonter et comme j'ai vu que je me suis fait gêner par les retardataires, donc j'ai vu qu'il s'en allait, ça ne servait à rien que je force pour tomber. Moi je joue le championnat et il ne joue pas le championnat, donc j'ai préféré prendre les points au lieu de risquer ma place au championnat. Excellent dans l'exercice du départ, Laurent Chabal part en tête lors de la deuxième finale, mais il est presque instantanément dépassé par Marc Miralles. Le pilote de développement Conti va une nouvelle fois s'échapper, laissant le peloton loin derrière. En lice pour être titré dès cette manche, Corentin Brénon fait l'effort pour conserver sa deuxième place face à Laurent Chabal. Miralles s'impose, Brénon deuxième, s'offre ainsi le titre de champion de France pré-GP 2012. En 600 promos, Romain Maître possède 18 points d'avance, une marge qui ne lui permet pas de jouer les dilettantes. Essayer demain de reprendre quelques points pour la fin du championnat pour être un peu plus tranquille. Parce que là, 18 points, on a vite fait de... Enfin, c'est trop peu pour une fin de championnat. Auteur de la pole, Kevin Longjaret réalise un très bon départ et conserve son bénéfice. Leader du championnat, Romain Maître est en embuscade à la deuxième place devant Julien Diguet et Cyril Guignard. Julien Diguet a la pression sur les épaules, il fait tout pour conserver sa place sur le podium face à Guignard. Kevin Longjaret roule intelligemment, ne commet aucune erreur et de son côté, Romain Maître n'a pas besoin de prendre le risque de laisser échapper les points de la deuxième place. Kevin Longjaret finit par s'imposer devant Romain Maître et Julien Diguet alors que Guignard est contraint à l'abandon. L'avance de Maître au championnat descend à 13 points. On n'était pas si loin et moi je savais que j'étais un peu plus rapide, donc j'ai commencé au début à rouler vite. J'ai fait 6 ou 7 tours très rapides et après j'ai juste géré l'avance et je pense qu'il faisait pareil puisque l'écart restait le même. Donc.
Place à la catégorie reine, la Coupe de France Promo 1000. Nicolas Salcho possède un bagage plus qu'intéressant de 77 points. De quoi aborder cette manche en toute sérénité. Bah aujourd'hui, on a envie d'assurer le titre parce qu'il y a possibilité d'être titré maintenant. Ça nous permettra de faire une fin de saison sereine. Moi, j'ai pas mal d'échéances parce que je fais les 24 heures du Mans avec le team Louis Moto 33. Et puis, je vais participer à Manicourt au Super Stock 1000, donc dans le cadre du World SBK. Donc, ça permettrait d'aborder tout ça en ayant fait le travail en fait dans le championnat Promo Sport. Cette année, le niveau était excellent. Il y avait différentes machines qui se sont battues. Ça a été très serré parce que moi, à part la dernière à Manicourt où j'ai eu vraiment de l'avance, le reste c'était en baston. Donc vraiment le niveau était élevé avec des pilotes expérimentés comme Peter Polesso, des pilotes plus jeunes comme Xavier Delétrez ou Julien Pilot ou Mathieu Charpin. Donc voilà, vraiment un bon niveau et différents concurrents qui étaient là pour se battre aux avant-postes. Le poleman Nicolas Salcho réalise le meilleur départ de la finale alors qu'on suit le départ en caméra embarquée avec Peter Polesso parti loin suite à une chute en demi-finale. Lourde chute de Sébastien Gérard dans le premier tour, le rouge est agité, le départ va être redonné. Nicolas Salcho est à nouveau leader, mais attention à Mathieu Charpin, parti sur un bon rythme. Au fil des tours, Salcho se crée une légère sécurité sur ses poursuivants. Pendant ce temps-là, Peter Polesso continue sa remontée spectaculaire. Il arrachera au final la 8e place. Nicolas Salcho gère tranquillement sa fin de course. Il s'impose au final devant Mathieu Charpin et Julien Pilot. Son avance au championnat s'élève maintenant à 84 points. Super course, assez courte, donc il fallait mettre du gaz tout de suite et s'échapper. Après, bah voilà, ça fait 6 victoires sur cette course au championnat, ou 13 victoires sur 14 si on compte les courses qualifs. Donc voilà, c'est la saison plus que parfaite et je suis très heureux pour moi et pour tous ceux qui m'aident. C'est terminé.